Donc, Verdigris contre Satoshi. Alors, je donne les résultats en loser, mais en loser, là, on a Zueli Shaman contre Sheikyo qui est en train de se faire en car loser. En 8ème loser, on a Ghost contre Me, la joueuse de pitch que vous avez vu on stream au début. Et on a Xelatrum contre Lei Wulong en 8ème aussi. Donc, un des quatre. Je pense, je ne serais pas surpris que ce soit un Ghost Xela, la classique Ghost Xela au match 42, car loser. Un Shifumi enflammé que Verdi arrive à remporter hein, quand même. 4 tours je crois. Pas mal. Donc mettons les... Oh la vache, ça, j'avoue que ça hurle pas mal dans le game over. C'est mes oreilles viennent de prendre cher. De prendre cher. Du coup Satoshi... Ouais. Bah du coup j'ai plus le chat, c'est con mais... RIP le chat. Ah non, c'est bon, un monsieur gentil me file le chat. Crow a perdu 3-0. Merci. Vince l'artiste. Crow, je sais pas s'il vient au burst. Je serai au burst vers. Enfin, on a une voiture de prévu pour le burst. Je crois que Verdi vient. Je pense pas que Sato vienne. Donc, c'est là. Pour le burst. Ouais. Oui, j'en prépare. Est-ce que Xela vient? Oui. Est-ce que Crow vient pas au burst? Crow, je pense pas qu'il vient. Crow est en plein déménagement, du coup, je pense pas qu'il vienne. Je pense pas qu'il vienne au burst. Mais du coup, oui, Yoshi Cloud, j'ai pas fait le setup, quel sac à merde. Trop occupé à regarder le chat. Je fais ça tout de suite, mais attendez 30 secondes. Cloud, bam, Yoshi, bam. Tac. Tac, Yoshi. Donc après là on est. C'est Verdi qui a gagné, donc Smashville je suppose que ça lui est avantageux après. Ah oui parce que Cloud ça aime tellement les plateformes et là on a un Genkai Okailu mais malheureusement il sera déjà pris un Deathmash de Verdi, ça n'aura pas suffi. Le burst ça va être cool, on est tous hyper impatients d'y aller. Ghost vient au burst aussi. Ça c'est sûr, Verdi je pense qu'il vient. Il y a de grosses chances qu'il vienne. Sato, je sais qu'il vient pas parce que niveau thune c'est compliqué. Enfin, quand t'es mineur aussi, ça n'aide pas. Du coup, elle. Il y a. Ah oui, il y a Isma de. Isma qui vient aussi. Isma, joueur dans. Joueur du Nord, joueur de Caen, voilà. Joueur de Caen qui vient en burst aussi. Du coup là on a, qu'est-ce qu'on a? On a un Verdigris qui est en train d'enfoncer le pauvre Satoshi. Pauvre Satoshi qui arrive pas à trouver l'occasion. Je sais pas pourquoi il a pris le bien d'option là, c'est pas du tout safe. Après on sait, Satoshi il a l'espoir à la prochaine. Ouais, merci mon petit Lay. Donc Lei a perdu, c'est triste. Là, le side by limit qui passe, la DI qui ne suffira pas à survivre. Après là, on a 74% de lead, c'est un Cloud, ça se fait. Cloud contre Yoshi, hein. Le match-up est pour Cloud normalement, quand même. Match-up est pour Cloud, l'expérience ça joue, mais bon, le tout c'est d'esquiver. Là, il avait 80%, Ismail avait expliqué que, en fait, Yoshi, son but c'est de te monter à 70%. À partir du moment où t'es à 70%, t'es un free kill. Ah, il a été trop impatient là, il aurait dû... Enfin, je pense qu'il aurait dû... Il s'attendait à ce que Verdigris fonce, mais Verdigris n'a pas été con, mais c'est attendu gentiment, mais... Tato, il fait preuve de plus de patience qu'au début, mais... Ah, tain, ça passe! Bien joué! Verdi s'attendait sans doute à un up tilt, c'est pour ça qu'il attendait le Perfect Shield, mais non, c'était un smash, mon petit Verdigris, ça n'a pas suffi. Parce que, bah, comme vous le savez, Yoshi c'est pas très high-tier et le shield grab de Yoshi est médiocre. Je pense que ça a tenté un shield grab et que ça lui a coûté la victoire. Mais ça arrive, hein, premier win au Smash. 1-0 pour Sato. Je crois que en fait Verdi a read un up tilt et a du coup a tenté de perfect shield, mais c'était un Smash. C'était un Smash. Enfin, j'interprète comme ça, mais après, il a shield le premier coup du F-Smash, mais pas les deux derniers. Et du coup, ça l'a tué. En gros, c'était un gros de sa. Peut-être. Ou alors, c'était un. Peut-être. 3, 2, du coup, counter pick.
Ouais. Après là on est de retour sur Dreamland, je sais pas. C'est vrai que Dreamland ça doit être. Le upper ladder de Yoshi doit pas être dégueulasse du tout, hein, mais après faut pas oublier que le Cloud a vraiment un bon momentum sur ce stage. Moins bien que sur Battlefield, mais. Après là. La Verdi met une sacrée pression, hein. Le stage est plus petit. Ça joue pas forcément à son avantage. Être au-dessus. Dans ce genre de match-up, c'est celui qui est au-dessus celui qui est au-dessus est en danger. Après là on a vu le smash partir. C'était pas hyper judicieux de la part de Sato, un petit smash comme ça dans le neutral, hein, mais la limite qui sort, il est pas à kill pour ça, faut le monter un peu, mais le problème c'est qu'il faut réussir à monter. Il grid sa limite, et le fait qu'il grid sa limite fait qu'il est obligé de remonter. Il est obligé de remonter vite, et ça Verdi l'a bien compris, il a bien capitalisé dessus. Après le vent, le fameux vent de Cloud, mais je sais pas ce qu'il a grid, mais c'était plutôt compliqué. Ah. C'est plutôt compliqué, là on est. Là il est dans une situation où il est vraiment sous pression, hein. Verdigri impérial, pareil avec ses œufs. Il est pas vraiment d'accord le gimp, hein, c'est un semi-spike, c'est un angle qui te fait descendre. Descendre de pas grand chose. Ghost a perdu je crois vu comment il gueule. Verdigri est vraiment en. Enfin. Il a un momentum impressionnant. Après là Sato il arrive pas à toucher un seul de ses combos starter. Il arrive pas à toucher un seul de ses combos starter, ce qui fait que finalement il arrive pas à mettre Verdigri dans une situation où il pourrait le tuer. Là il a sa limite et là le premier coup qui est passé dans l'armure de Yoshi, ça c'est trop triste. Il aurait pu descendre, mais bon, descendre pour tuer Verdigri quand t'as une vie en moins c'est plutôt compliqué. Ça tente, hein. ça tente des smash, mais il est un peu pressé pour le kill. Le down B qui a pas tué. Oh la vache, Satoshi qui a eu extrêmement chaud à son cul. Ah, c'était greedy de la part de Verdi et ça mistake. C'était enfin greedy de la part de Verdi, de la part de Sato. Sato qui a tenté un upper, sauf que il avait plus de saut, il avait plus de. Enfin, la reco de Cloud, on sait tous qu'elle est pas terrible. Tu peux difficilement. T'as perdu? Putain, elle est forte cette pitch! Ouais, mais j'avais joué en free play contre elle, elle m'avait pris un match et elle disait ouais, je suis mauvaise machin, et moi j'étais en mode, mais attends! Ouais, non, mais de ce qu'il disait, elle avait fait plein de miss input machin, mais. Ah, c'est bon! Mais ouais, c'est. Cette joueuse de. Donc la joueuse de pitch qu'on a vu en stream au début est vraiment en train de remonter et ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est une nouvelle joueuse, mais nouvelle joueuse qui joue au gamepad, mais elle nique des races au gamepad, hein, faut pas croire. Pas sous-estimer parce que pitch c'est playmaker, c'est hyper technique, un match-up pas connu. Là du coup Sato counterpick sur Smashville encore. C'est vrai que peut capitaliser très facilement dès qu'il arrive sur la plateforme, il a tous les atouts pour cette bilimit. Un smash, même une throw ça peut passer hein, sur un malentendu. Mais là la situation est pas vraiment optimale pour lui quoi. Oh il a tenté de stage spike avec son la ride de l'air dodge. Verdi est infâme sur ses rides. C'est impressionnant. Mais ouais c'était bien tenté parce que. Mais le problème c'est que ce qu'il oublie Sato c'est que Yoshi ça a une armure sur son saut. Et le fait que ça a une armure fait qu'il passe à travers le down. Enfin à travers le side B. Donc forcément ça marche moins bien. Verdi il avait gardé son saut exprès donc difficile à gimp, difficile de gimp quelque chose qui est en super armor. Le smash qui passe, pas assez de rage, c'est dommage. Pression mise par les œufs de Yoshi qui est impérial et même ce side B limit qui était trop pressé passera pas. Là Sato est dans une difficulté assez. Ça tente de caser des smash, ça tente de caser quelque chose, mais dès qu'il devient impatient, ça se paye très rapidement. Ça gimp, le saut est encore là. Hein. Le saut était encore là, donc forcément. Ah ça. Eh ben ce Dare qui tue ma foi, je savais pas que Dare de Cloud ça pouvait tuer, mais bon. T'es pas top tier pour rien, écoute. Déjà les limites de disponibles pour Satoshi, c'est pas joué hein, parce que là on a. Oui. Non ça tue pas. Putain c'est dommage. C'est dommage parce que là le kill est. Mais non. Non Satoshi non. Non qu'est-ce que t'as fait. Ah c'est trop dommage. Le grid d'un Sato qui se résulte en une défaite. Alors qu'il avait failli. La DI optimal de.
La DI optimale de Verdi lui a permis de survivre, mais c'est dommage d'avoir grid un der comme ça. Il a fast fall. Il a fast fall et du coup ça l'a tué. C'est plutôt gênant. C'est plutôt triste. Allez Satoshi, on y croit. Voilà, petite phase là. La petite phase, il essaye hein, le der d'un excellent combo starter, mais le problème c'est que le upper de Yoshi est assez disjoint pour counter ce der. Mais bon, on a, c'est even hein, il met de la pression, ça se fait, il peut le prendre ce match. Voilà, déjà la limite va être bientôt chargée, la limite est chargée à partir de là ça se fait. Là il aurait pu caser le side build limite, hein, c'était un peu greedy. Là il s'est fait bait et c'est quoi ce stage spike? Qu'est-ce qui a stage spike? Je crois que ça trade et ça... J'ai pas compris comment ça a stage spike, mais bon, soyons contents, hein, il a pris un kill. Le kill est présent. Ça tente des rides d'air dodge, mais bon, Verdi il était déjà parti dans un autre univers. Il a juste sauté pour s'en battre les reins. Ah putain, c'est vrai, c'est vraiment bien. Il bait un maximum en fait avec son der. Ah, relâche ton shield trop tôt, mon Sato. C'est pas possible. Là, je pense que il aurait du side build limit. Side build limit, même grid ton side build limit, c'est pas grave, ça mettait les pourcents, ça comptait pour la prochaine stock. De toute façon, t'allais mourir. T'avais beaucoup à gagner à mettre ce side build limit, mon Sato. Mais c'est pas fini. Un lead de 45%. Vite de 40% maintenant, hein, mais après il est en pression sous cette plateforme et Verdi va pas se faire chier pour capitaliser un maximum. Là on voit ça binotral, ça met des grabs, Yoshi qui essaye de sécuriser le landing un maximum. Sato a enfin réussi à retourner en neutral, mais oh ce smash qui est parti telle une lettre à la poste. Là Sato devrait, là c'est à la limite, il va tenter un dare to finishing touch, ça se fait. Je m'attendais à une finishing touch, mais il la grid trop tôt. La mobile aérienne de Yoshi qui lui permet de rester loin de Sato, loin de la dangereuse épée de Sato, la dangereuse épée de Cloud. Mais 90-88, hein, back air, je pense qu'il va commencer à chercher les back air, ou les smash. Ça se fait, hein, 95% de rage. Là, tu vois le back air. Verdict à grid. Après, je pense pas que le... Je sais pas si le Downbeat ça qu'il confirme ou pas, mais... Ah, Satoshi, c'est Satoshi qui met un maximum de pression au back air et ça tue. Mauvaise DI de Verdi. 2-2, ma bonne dame. 2-2. Et pas une seule Satoshi. Alors, on espère tous que qu'il va faire une Satoshi, le fameux Death Smash à côté du ledge. Mais la Satoshi est inefficace ici. Donc c'est un 2-2 counter pick de la part de Verdi. Donc faut s'attendre à un stage avec beaucoup de plateformes sur lesquelles Verdi va capitaliser un maximum. Après je pense que Imo meilleur ban Battlefield Dreamland, parce qu'il a l'air vraiment à l'aise sur Smashville. Et je pense que sur DF il s'en sortirait pas mal. Ça partirait sans doute sur un pick Town and City. Il a dû ban Battlefield Dreamland comme je disais, et du coup Town and City pour pouvoir tuer par le haut. Logique hein, parce que les kill confirm majeurs de Verdi, ça reste son down B et son upper. Enfin, avec le fair spike, mais bon le fair spike t'as juste besoin d'avoir du vide, et du vide t'en as dans tous les stages Lego, donc forcément c'est pas... Ça aurait dû read l'air dodge là, mais c'est pas évident, c'est un 50-50, hein, tu peux avoir raison tout le temps. Mais là ça reste... Il stole bien, il essaye de rester even, la limite est chargée. Et enfin là où il a un gros avantage dans le match-up, c'est que dès qu'il a sa limite, ça peut partir très vite, très loin. Après là, il va la perdre, tout simplement parce qu'il s'est fait mettre dans une mauvaise situation. Tant qu'il la récupère pas, il sera pas en position de prendre la kill assez efficacement. Donc j'espère qu'il va réussir à la charger assez rapidement là. Il met de la pression, il tente de charger sa limite, de taper un maximum pour charger cette limite, pour charger cette win condition. Gagner du temps. Le temps et l'essence. Ça clanque. Ah, le down B Yoshi. Le down B Yoshi combiné au low selling qui suffira à prendre ce kill. C'est tendu pour Sato. On sent, ça se voit sur son visage qu'il est extrêmement concentré, le petit soupir qu'il a lâché là. Mais Verdigris reste impressionnant. Ah putain, c'était dangereux ça. Ça aurait pu être un petit fair spike. Ça aurait pu se terminer là, mais Verdigris qui met une pression monstrueuse à Sato. Satoshi qui s'est touché.
c'est dommage. La pression de Verdigris qui est absolument monstrueuse et il n'arrive pas à capitaliser Sato hein, à prendre un kill. C'est tout le temps surprendre par. C'est toujours surprendre par les petites étoiles de Yoshi. Sa limite est de retour, donc j'espère qu'il va pas la craquer dans le vent, mais je pense pas que le prochain side B passera très sincèrement. Il a tenté de grid un autre Albi, ça a pas suffi, c'est dommage. Ah le stage spike! C'est dommage, c'est vraiment dommage de la part de Sato. Sato qui a vraiment. Il a résisté, hein. Il a fait tout son possible. 3-2 pour Verdi.